Ok, dommage, c'est mort. C'est quoi le dommage sonite? Écrit ici vers Akdama Hachénit, la deuxième introduction. Comme une sorte de condition. Hishiyeda veye baru lo shaboreit barach mistakel alav. C'est un des 13 Ikarim de Emouna, de savoir, d'être ma'amin, que Kadosh Baruch Hu voit toutes les actions de l'homme. Et l'on est un lamim haboré, l'on ma'asa vageluhim, vanistarim, velo emunato hatsfuna vanir'et. Non seulement rien n'est voilé des yeux d'Hachem, pas ses actions qui sont des actions dévoilées, et pas les actions de l'homme qui sont des actions voilées, ce qui fait un homme quand il n'y a personne. Velo emunato atzfuna vanirit. Et non seulement ça, mais en plus même sa emuna, combien il est ma'amin, ça aussi c'est dévoilé devant chez. Combien t'es ma'amin? Mais on n'a pas d'instrument pour mesurer ça. Enfin, quand je me crois, il mesure dans notre cœur. Il voit combien on est ma'amin beau. La Emouna qui est dévoilée et la Emouna qui est voilée. La Emouna qui est dévoilée, c'est des actions qu'on fait, quoi, voilà. En Hachem, on étudie la Torah, bien qu'on ne sait pas trop comment ça va marcher, comment ça. Aval, on est ma'amin. Ce soir, on étudie les Avachim Ismari. Bon, Kolel. Quel Kolel? Il y a des Kolelim où ils payent. Il y a des Kolelim où ils ne payent pas. Ils vont Kolel où ils ne payent pas. C'est des qui? Ça, c'est. C'est une action qui dévoile la Emouna, c'est la Emouna dévoilée. C'est ma ménime. Je sais, moi je sais faire. Alors, quand je vous mesure aussi la Emouna qui est voilée, qui est cachée à l'intérieur de nous. Shaboré yodea imu boteach alaz belev shalem olo. Quand je vous sais, si un homme lui fait confiance de tout son cœur à 100% ou non, que moi shama akato Adonai. Yodéa marchevot Adam qui est Mahavel. Kadosh Baruch Hu connaît les pensées de l'homme, elles sont nulles. Havel, néant, vanité. Qu'est-ce que c'est les pensées de l'homme? Il pense, je fais, je sais, je vais. Va'od neema halo tochen libot umevin. Ce qui est tochen, le contenu du cœur. Kadosh Baruch Hu comprend, Kadosh Baruch Hu il sait. Ce que contient notre cœur. Benema, ki ata yadata levadecha et levav kol benei ha'adam. Tu es le seul à connaître le cœur de chaque homme. Ukshze barur lebal habitachon. Si cette introduction là, cette connaissance est claire à celui qui est boter b'shem. Lo nachon mitzido lehatzir b'dibburo shu boter b'elokim mitbarach mibli shiftach alav. Gambelibo ou Bematspuno. Alors, il peut y avoir une erreur. Quelle erreur? Qu'un homme, dans sa bouche, il va être matzir, il va proclamer qu'il est ma'amin l'Hachem. Je m'amine, je tabar chez moi. Tout le monde dit je tabar chez moi. Mieux encore. Tout le monde dit comment ça va? Oh Hachem. Oh Hachem, matzir. Matzir, c'est-à-dire qu'il proclame qu'il est ma'amin l'Hachem en disant je tabar chez moi, Baruch Hachem, Hachem Yazor. Mais dans son cœur, c'est pas la même chose. Dans son cœur, il est moins ma'amin, il est moins botéach. Alors c'est quoi le problème qu'il peut avoir avec ça? Un grand problème. Pourquoi? Les gens qui l'entendent parler, ils disent celui-là, il a une grande émouna.
toujours Ishtabar Shemo, Akadosh Baruch Hu Azer, c'est lui Hachem qui fait tout, c'est dans sa bouche, il a une grande émouna. Et on voit que, Tachlès comme on dit, eh ben, tout marche pas très bien pour lui. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait Khilul Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? On dit, regarde, quelqu'un qui a de la Yamuna, et quand même, ça marche pas comme il veut. Alors que nous, on sait que plus un homme est ma'amin b'Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu est ma'shgiach halav. Comme on a dit plusieurs fois déjà. Et là, on voit, d'après ce qu'on entend, qu'il est ma'amin b'Akadosh Baruch Hu, mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu le laisse un peu tomber celui-là. Ah, c'est Khilul Hachem. Ah, tu vois, la Emouna, ça règle pas tous les problèmes. Mais la reine, quand Adam Omer Befi Shuboter à la chaîne, c'est Echit Tocho Kebaro, ou Piveli Boshamim, si tu dis Shtabar Shemo, si tu dis Baruch Hashem, si tu dis Hashem Ozer, Hashem Yazor, tu dis les mots pareils, alors il faut que ton cœur aille avec ce que tu dis. Ou alors plus encore, il y en a, ils font du moussard aux autres. Ils font du moussard aux autres. Il faut du bitachon, il faut que tu sois ma'amin, et à col ma chemise de barar, venant de milvado, toutes ces belles phrases-là, il fait du moussard aux autres. Ça montre, a priori, c'est un grand ma'amin celui-là. Lui-même, dans son cœur, quand c'est lui qui a l'épreuve. Alors, tu vois, réagir différemment. On lui dit à lui la même chose que lui dit aux autres. Plutôt, on lui dit à lui, t'inquiète pas, col met Hachem, venant de milvado. Le chizou qu'il a fait aux autres, nous, maintenant, on doit lui faire à lui. Ça montre que son niveau n'était pas très grand. דברים אלה רואים שהוא תמיד נגד עיניו, שהרי אומרים אנו בפינו כמה וכמה פעמים ביום שאנו פותחים השם. קומן פונדי דנה ז'ורני, קונה די ביטחון בשם. טוס הוא פרוקלם קונה די ביטחון בשם. נפשנו היכתה לאדוני. נכון? נוסע למטה, נורדו. נפשנו חיכתה לשם. כי בשם קודשו בטחנו. תולי ז'ורד. נוסע למטה. כי בשם קודשו בטחנו? Et après, quand je descends pour le petit déjeuner, qui c'est qui m'a pris mes grands flex? M'a pris mes grands flex? Mais t'as dit il y a 10 minutes qu'il peut chercher un coach au bâtard, non? Tiftar, donc quand je me roule, quand je me cède. Il succède, tu vois, Marco. Si c'était que les grands flex. Qui peut chercher un coach au Hagadol, au Gibor, au Hanoura, au bâtard, non? Ça, c'est des passages de la tefila et on dit ça tous les jours. Veten sachar tov lechol abotehim b'shimcha be'emet v'sim chelkenu imahem. Ça c'est dans la Amida, la minim, la la tzadikim. Velo nevosh ki becha batachnu. Trois fois par jour dans la Amida, ki becha batachnu. V'odar bekaele. Ah. Si on dit des mots pareils et on proclame à Kadosh Baruch Hu, on lui dit à voix haute, bon, là, on a confiance en toi. Alors, il faut que dans le cœur aussi, ce soit égalité. Et la reine, chovatenu, la god kol yamenu beshar habitachon azé. Emet, c'est kalazé, emet ça. On est obligé toute la vie d'étudier shar habitachon. Toute la vie. Pour ne pas oublier la chova du bitachon, l'obligation d'être boter b'kadosh baruch hu. Toute la vie, il faut étudier ça. Il faut faire hazara tous les jours, il faut avoir un seder tous les jours, shara bitachon, toute la vie. Car ça devrait être. C'est mechazek. Quand arrive l'épreuve, regarde, depuis qu'on étudie ça, il y a du chizouk. C'est à moi, j'espère. Il y a du chizouk. Les épreuves, il y en a toujours dans le prochain. Il y a du chizouk. Bitachon. Tout vient d'Hachem, tout Hachem, Kadosh Baruch Hu, il sait mieux que moi, Kadosh Baruch Hu, tous les sept naïms, tout ce qu'on lit, c'est Mechazek. Alors après, on va passer à autre chose, on va retourner à Pirkei Avot, on va passer à autre chose. Il faut parler aussi d'autres sujets, il y a toute la Torah l'importante. On va après encore une fois oublier, c'est dommage. Il faut étudier ça. Chovatenu lehagot kol yamenu b'shar habitachon hazeh, kedei shiyeh bitchonenu al Hashem belev shalem. ואז לא נבוש ולא נקלם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. Donc il faut faire attention que s'il est boter bashem bisfatav, alors il faut qu'il soit boter bashem dans son cœur aussi. Sinon, il va transgresser
qu'il a été dit qu'il est fiv ou bisfatav qu'il bedouni velibo ou yhak mimani. Dieu Kadosh Baruch Hu, par sa bouche, par ses lèvres, il me respecte. Son cœur est loin de moi, loin de moi. Il me dit vachevota levavera. Nous on dit dans la bouche parce que la bouche c'est proche du cerveau. La bouche elle dit ce que le cerveau il comprend. Sichni, on comprend qu'il faut être bamin, qu'il faut être poter, on comprend. Avec le cœur, il est loin. Vachevota levavera. Ce que tu comprends dans le cerveau, tu peux le comprendre dans ton cœur aussi. וההקדמה השלישית היא שיבטח על אלוקיו לבדו בדברים שהוא חייב לפתוח עליו ואל ישתף אליו אחר יפועד בוטח בקדוש ברוך הוא סל 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 דטאי דו סקונא ופיור סל סל ודיר כסור השם סן אסוסייה אוקיון אוטר שוז האשם וי זה השם מי פעם בשליח מי פעם אינטרמדיאר מי פעם לא C'est Hachem et que Hachem. Par l'intermédiaire de personne. Afsasan Mizrahi, alayhi wa sallam. Afsasan Mizrahi. Quand ça te dit qu'un nav. Quand il avait l'école, une école au Rav Simcha, une école de filles, qu'aujourd'hui c'est Rav Aryeh qui dirige. Et il y a des gens qui donnaient des dons. Ils viennent des dons. C'est bon. Là, il vient, il donne 100 shekels. Là, il vient, il donne 100 000 shekels. Parfois, il était au Bet Midrash, il étudiait, il y avait des gens qui venaient prendre des brachot, etc. Et après la bracha, il faisait un don pour l'école des filles. Le Rav, il réagissait de la même façon, peu importe le montant du chèque. Peu importe. Un, il donne un chèque 52 shekels. Un, il donne un chèque 100 000 ou 200 000, je ne me rappelle pas. Il y avait des montants, des gros montants. Donc, tu prends le chèque, je sais pas, un mot en plus. Darba. Khazakoubaou. La même chose. Lo machnif, lo shum davar. La même chose. Pourquoi ? Bitachon de la vie. Avec un grand respect à tout le monde. Dans la Navan, où il était champion de la génération. Comme ça disait les gouvernements aujourd'hui. L'homme le plus anav de la génération, c'était lui. Il faisait beaucoup de kavod à tout le monde. Mais dès qu'il faisait du kavod à tout le monde. Mais à tout le monde, pas. Oh, le grand milliardaire qui vient, qui donne une grande somme. Oh, le petit Ani de Boukharim là-bas qui vient, qui lui donne une petite somme. Pareil, la même chose. C'est l'ignan chez le bitachon. C'est tellement habitué que c'est Kadosh Baruch Hu seul qui fait tout et que personne à part Hachem ne peut rien faire que ça devient naturel chez lui. Klomar, shelo yiftach gam al Hachem ve gam al echad abruim. Ça, on aurait pu croire aussi, c'est bien. Il est boter Hachem, mais aussi au médecin, à l'ami, à l'oncle. Non. Qui basé ou meshatef elav et mishu aher, il associe Hachem quelqu'un d'autre. Ou me abed et bitrono al lokav, alors en ça il perd le bitachon en Hachem. Il faut associer personne. Vayadoua lecha ma shenemar etzel asa hamelech bishara shesamach al arofim. Asa hamelech, asa le roi. Il était malade. Et on lui a amené des médecins. Et il a fait confiance au professeur. Même quand il était malade à ça, il ne s'est pas retourné vers Hachem. Quand je lui ai envoyé la maladie pour qu'il fasse tchouva et qu'il se retourne un peu vers Hachem. Non. En général, c'est ce qui arrive. On voit des nissim niflot, des gens qui ne voulaient rien faire de la Torah des mitzvot. Tzadikim. Kadosh Baruch Hu leur amène des Yisurim, il leur amène des Nisyonot, et tu vois comment ils se renforcent. Ils prennent sur eux Shabbat, ils prennent sur eux les mitzvot, ils prennent sur eux des grandes choses. Aval Asa, il s'est entêté. Même s'il était malade, et alors ? Il y a les docteurs, il y a les médecins, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les médicaments. Chez Nena Chalze,
למרות חסידותו, וכתוב אמר, ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מבטחו. ודבר ידוע הוא שאם מישהו ממנה שני ממונים או יותר למלא איזה תפקיד, אז אין למינוי זה ערך. Si quelqu'un nomme deux personnes pour remplir la même tâche, ça vaut rien. Pourquoi? Chacun il va mettre la responsabilité sur l'autre. Oui? D'accord. Tu mets deux directeurs dans une affaire, deux PDG. L'affaire va couler. C'est un clan. On a dit un dirigeant pour le peuple et pas deux. Si on met deux, c'est fini, l'affaire est cool. Pourquoi? Chacun il va mettre la responsabilité sur l'autre. Alors là aussi, tu peux pas être botéar. Et ben j'aime, et ben on fait. Chacun il va mettre la responsabilité sur l'autre. À la fin, l'autre il va mourir. Et là, il faut être botéar. Que Barofé, c'est vadaï qu'on peut pas être botéar. Parce qu'il n'y a rien entre ses mains. C'est quand je me retrouve au fait. Alors il faut être botéar que Bachem. Et quand je kène, il m'y botéar gamal à Elohim. Et gamal zonato, si bitrono yares, son bitachon va s'abîmer. Mais si bitachon moufal, zé, il est si bas, ma spéket, si mana, mais maintenant, ma chou, mais kavel, la signe à l'édo. Et c'est le fait qu'il est botéar dans quelqu'un d'autre qu'Hachem, ça va faire qu'il ne recevra pas ce qu'il espère recevoir. Pourquoi? Parce que le fait même qu'il est boter en quelqu'un d'autre d'Hachem, alors ça abîme le bitachon. Et comme on a dit encore une fois, on va dire que celui qui abîme son bitachon, alors Kadosh Baruch Hu le laisse entre les mains de la nature. Donc il perdra l'ashgachat Hachem. Kemo shekatuv, arur agever asher yiftach ba'adam, besam basar zero'o, umin adonai esur libo. Maudit est l'homme. Maudit, arur. Celui qui fait confiance en l'homme, Vesam Besar Zero, et il fait de la chair, Zero, sa force, c'est-à-dire de l'homme, quelqu'un qui est fait de chair et d'os, il en fait sa force, il en fait son espoir, au Minashem, et sur Libo, et son cœur se détourne d'Hachem. C'est Arou, ça veut dire c'est grave. On voit que le manque de Bitachon, c'est pas que un manque de niveau de Chassidut, au niveau de Tzidkut. C'est pas un manque à gagner, comme on peut croire dans plein d'autres midot. Celui qui n'a pas la perfection d'un certain midot, alors il n'a pas un certain niveau. Mais il est tzaddik. Pas de bitachon ou un manque de bitachon, c'est pas le cas. C'est pas un manque à gagner, c'est une perte. C'est une perte. C'est arour, c'est grave, c'est assour. Kadosh Baruch Hu nous oblige à avoir du bitachon. Obligé. Si un homme il sent qu'il a peur de quelque chose, alors il doit avoir peur du fait qu'il a peur. Il doit avoir peur du fait qu'il est inquiet. Il est inquiet, comment je vais faire, comment c'est, comment je vais me marier, comment ça, comment c'est. Il est inquiet. Oh là là, je suis inquiet, je suis fou. Arour, bar minan, j'ai pas le droit de m'inquiéter. Ça sourd. Et de se reprendre tout de suite, si l'inquiétude elle vient, c'est normal, ça monte à l'esprit, c'est normal, on n'est pas encore dans un grand niveau, on est en train de travailler. Donc c'est normal qu'un homme est inquiet parce qu'il y a une situation. Mais tout de suite, il faut se reprendre. Comment je suis inquiet? Bon, là, il voit tout. Il sait tout. Il est majeur sur tout. À part lui, personne ne peut rien faire. Et il sait ce qui est le mieux pour moi, etc. Il se répète tout ce qu'on a appris maintenant. Il est ma'amin be'emouna shlema. Tout de suite, qu'est-ce qu'il va avoir dans son cœur? La simcha. La simcha. Et en réalité, c'est le sod du Samer Berelko. C'est ça le sort du Samer Berelko. Ezeo Hashir, Samer Berelko. Comment un homme il peut être Samer de ce qu'il a? Arrête. S'il doit se contenter de ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas. Alors comment tu me dis, sois heureux de ce que tu as? En d'autres termes, ça veut dire, bien que tu n'as pas ce que tu aurais souhaité avoir, sois heureux. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu me dis que je dois être heureux par rapport à ce que j'ai pas encore, parce que j'ai au moins ça. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Mais c'est sa mère, Bechelko. Comment on peut être sa mère, Bechelko?
on peut ne pas s'inquiéter. L'olid ogalchenko, l'olid ogalchisono, on peut ne pas avoir de la tristesse parce qu'on n'a que ce chelek. Aval liot sa mère de chelko. Comprenez la nuance? Ne sois pas atsouv, tu n'as pas ce que tu désires. Là, je comprends cette phrase. Cette phrase, je peux la comprendre. Aval, sois sa mère que tu as que ce que tu as. Ça marche pas, ça rentre pas dans la tête. Et là, le sod, il est ce qu'on est en train de dire. Si un homme boter, Bakadosh Baroukou. Bakadosh Baroukou, c'est exactement le mieux au monde pour lui. Il est mis bonhomme baiser. Il est marmique baiser. Il parle à son cœur. Mais fait d'aïk Bakadosh Baroukou, il sait tout. Comme on a dit jusqu'à maintenant, Kadosh Baroukou a créé le monde entier. Celui qui a créé la machine, il sait très bien comment la machine fonctionne mieux que tout le monde. Mais celui qui crée la machine, il n'a pas la matière première. Bourreau Lamel a créé même la matière première. Et tous les arguments et les choses qu'on a vues avant. Il est mitrazek, baiser. Bevadaï, que ce que j'ai, c'est le mieux au monde. C'est beaucoup plus que si j'avais autre chose. Même que si j'avais plus. Si j'avais plus, ça aurait été pire pour moi. Ah, c'est bevadaï qu'un homme arrive à une simcha, une vraie simcha dans ce qu'il a. Parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est le mieux pour lui. C'est sa mère. Et dans quelles conditions? Dans toutes les conditions, parce que ce qu'il a, c'est le mieux. Donc il a toujours. Ça n'existe pas chez lui un matzav où il n'a pas. Ça n'existe pas un matzav, une situation où il manque. Parce que ce qu'il a, c'est toujours le mieux. Donc, c'est sa mère Bechelko, c'est pour ça qu'il a chier. Plus riche que ça, tu ne peux pas y avoir. C'est l'homme le plus riche du monde. Parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est la meilleure chose au monde. Et s'il avait encore un peu plus, ça aurait été pire pour lui. Ça aurait été mauvais pour lui, pas pire. Mauvais. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Mais on vit dans la Emouna, on vit dans la Shgacha, on vit avec Borei Olam. Ça donne la Simcha, mamash, ça donne la Simcha. Un homme qui est triste un petit peu, il faut qu'il se reprenne dans la Emouna. Il se reprend, tout de suite, l'humeur lui revient, la bonne humeur. Parce que s'il est triste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a attristé. Ou une déception, ou un mot qu'on lui a dit, ou une petite angoisse de quelque chose qui doit arriver, ou ça, ou ça, ou ça. Il y a quelque chose qui le met dans un état de stress, de tension, de peine, de tristesse. Il faut se reprendre en Emouna. S'il se reprend en Emouna, tout de suite la Simcha naît dans son cœur. Comme on a dit, c'est pas que un conseil, c'est une obligation. Et s'il ne le fait pas, il est barreau. C'est une obligation et il trace avec l'Emouna. Beaucoup de questions, beaucoup de questions, il en a, mais il en a.